Alors, connectez-vous rapidement, connectez-vous Afrique de Liberté, connectez-vous chers frères et sœurs, connectez-vous. Mesdames et messieurs, connectez-vous, commencez à partager la vidéo, connectez-vous, mettez assez de pouces bleus. Afrique de Liberté, connectez-vous. Chers amis, Afrique de Liberté, chers frères et sœurs, chers panafricains, chers panafricains, chers peuples d'Afrique, chers peuples de Côte d'Ivoire, je vous salue. Je vous salue donc depuis vos différents bords, je vous salue depuis vos différentes positions. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que tout se déroule très bien en cette soirée de mercredi 27 décembre 2023. Afrique de Liberté, ce soir, rapidement, j'aimerais demander à tous ceux qui sont déjà connectés, voilà, partagez-moi massivement cette vidéo, invitez vos amis, taguez vos amis. Abonnez-vous si ce n'est pas chose faite, abonnez-vous massivement, mais surtout activez la cloche de notification pour ne rien rater sur Côte d'Ivoire 2020, la chaîne panafricaine, la chaîne de résistance. Tout à l'heure, donc, avant de venir donc, lancer ce direct, je me baladais sur les réseaux sociaux et je suis tombé sur une page où le peuple de Côte d'Ivoire était donc révolté. Les Ivoiriens, en majorité, étaient très mécontents par rapport à la nomination de Bakongo comme gouverneur du district autonome d'Abidjan. En particulier, le peuple de Côte d'Ivoire s'en prenait donc aux Ébriers. Voilà l'ethnie qui s'appelle Ébriers. Et ils disent comme ça qu'ils n'ont plus rien. On les a tout arraché. Ils ont tout vendu. Et aujourd'hui, même les districts, depuis lors, voilà, qui, si on peut le dire ainsi, voilà, les appartenaient parce qu'ils ont toujours été à la tête du district autonome d'Abidjan. Et aujourd'hui, Alassane Dramane Ouattara vient de nommer Cissé Bakongo comme nouveau gouverneur comme ça du district autonome d'Abidjan. Mais j'aimerais dire à toutes ces personnes qui étaient sur cette page, parce que j'ai laissé commenter, et j'espère que le commentaire va rentrer en profondeur pour toucher nos frères et sœurs afin qu'ils se réveillent. Aujourd'hui, je suis très en tout cas content de voir que depuis la Côte d'Ivoire, ce n'est pas en tout cas tous les Ivoiriens qui sont mazo comme on le dit. En tout cas, beaucoup arrivent comme ça à exprimer leur mécontentement vis-à-vis du gouvernement moribond illégal de Alassane Dramane Ouattara. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Rester sur les réseaux sociaux pour dénoncer, crier, critiquer, ça ne suffit pas. Il faut descendre sur le terrain. Moi, ça ne m'étonne pas. Parce que j'ai toujours dit que Alassane Dramane Ouattara est dans son plan. Il est dans un plan par rapport à 2025. Je vous ai toujours dit, Alassane Dramane Ouattara est en train de tout manigancer pour une fois de plus prendre la Côte d'Ivoire en otage en 2025. Et cela, ce n'est pas un débat. Et tout cela, c'est avec la complicité de nos frères et sœurs. Nos frères et sœurs qui, longtemps, ont vendu la lutte. Aujourd'hui, vous plaignez parce que Bakongo est au district. Mais ne vous plaignez pas. Je vous ai dit ce matin que ce n'est que le commencement. C'est-à-dire, vous n'avez rien vu encore. Quand il a nommé Begré Mambé, l'ex-ministre du district d'Abidjan là, comme premier ministre, mais vous étiez en train de jubiler. Des gens, des Ivoiriens étaient en train de danser. En majorité, les Ébriers étaient en fête. Mais moi, j'y suis sorti pour vous dire, calmez-vous. Calmez-vous, parce que le gars là, le gars-ci, il ne fait rien pour rien. Il ne fait rien pour rien. Premier ministre, Begré Mambé, c'est pour combien de temps? Ouattara, quand il finit de l'utiliser, mais il te jette comme du n'importe quoi. Et Ouattara a un plan pour 2025. Comment faire en tout cas pour placer ces éléments sur dans les coins sûrs, Bitogo à Yopougon, Bakongo au district, Kandja Kamara qui ne mérite pas en tout cas le poste qu'elle occupe actuellement, sa nièce, ainsi de suite, ça ne finit pas. Vous pensez que c'était un hasard? Quand on parle là, pour que les humains en tout cas puissent comprendre, réveillez-vous, réveillez-vous. Ils vont toujours vouloir, comme l'a dit le frère ce matin, utiliser en tout cas la distraction pour vous aveugler. Et c'est ça qui est la vérité. Tous ces blogueurs là,
toutes ces blogueuses, mais ne sont pas là pour vous. Ne sont pas là pour vous. Eux, ils sont dans un combat. Vous éblouir, vendre du rêve, vous éloigner, écarter, vous empêcher de prendre conscience que votre pays va mal. Alassane Dramane Ouattara, hier, qu'est-ce qu'il n'a pas dit? Aujourd'hui, voici que l'électricité. Ouattara qui avait dit hier que l'électricité, en tout cas, était trop coûteuse, que lui, Ouattara, allait permettre à ce que la CEE ne soit pas, en tout cas, la seule compagnie de distribution en Côte d'Ivoire. Où est ce qu'on en est aujourd'hui? Et puis, on vient nous dire que l'électricité va encore augmenter de 10%. Ah, quelle Côte d'Ivoire! Quelle Côte d'Ivoire! J'ai dit ici d'arrêter de jubiler, de danser par rapport à la nomination de Begré Mambé comme Premier ministre. Parce que vous êtes dans son plan. Aujourd'hui, là, vous pleurez. Ah, ça pleure. Pourquoi? Pourquoi? Non, ça a été toujours ainsi. Les Hébreux ont toujours occupé la terre du district. Ça a été toujours ainsi. Pourquoi? Pourquoi? Eh, avec Ouattara, si rien n'est fait, rien ne va changer. Aujourd'hui, là, même nommé Bakongo comme gouverneur d'Abidjan, Ouattara n'a pas ce droit. À moins que Bakongo rende démission parce qu'un maire ou député n'a pas le droit d'être gouverneur du district. Mais Ouattara l'a fait. Ouattara se fout des lois. Ouattara s'en fout des lois. Ouattara, c'est lui qui est la loi. Ouattara, c'est lui, en tout cas, qui est la loi. Pour lui, en tout cas, c'est lui qui est la loi. Alors, il n'a que faire de vos lois bidon. Il fait ce qu'il veut, quand il veut, à l'heure où il veut, au moment où il veut. Et les Ivoiriens sont assis là, en train de parler de l'aise de temps a fait ça, l'aise de temps a fait ça, des trucs inutiles. Et à chaque fois, je vais encore le redire, quand Ouattara veut faire quelque chose et qu'il sait que les Ivoiriens vont bouder, réagir, ils vont créer toujours un buzz. En complicité avec ces blogueuses, ces blogueurs, qui sont payés avec l'argent du contribuable pour vous distraire. Et ça passe inaperçu. Actuellement, on vous dit qu'on a augmenté l'électricité, mais on ne fait que parler du buzz, du gaz qui est sorti de nulle part, l'aise de temps, n'importe quoi. Réveillons-nous. Sauvons la Côte d'Ivoire, c'est très important. C'est ça qu'il s'agit. Il s'agit de notre Côte d'Ivoire qui est en train de disparaître. On va rapidement écouter cette vidéo parce que c'est maintenant que je commence aussi à prendre conscience par rapport à cette histoire de Thiam. Qu'est-ce que Thiam va apporter à notre Côte d'Ivoire? Un autre Ouattara, quand je parle, il y a des abonnés ici qui vont venir me dire non, Thiam n'a rien à voir avec Ouattara. Ok, il n'y a pas de souci. On attend de voir. Tout ce que je sais, c'est que c'est du Ouattara bis. Voilà. Pensez ce que vous voulez. Dites ce que vous voulez. Mais moi, tout ce que je sais actuellement, c'est que Thiam là ne sera pas là, en tout cas pour les Ivoiriens. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Qu'est-ce que Thiam dit de cette base longtemps implantée en Côte d'Ivoire, 43e Bima? Qu'est-ce que Thiam dit du franc CFA? Qu'est-ce que Thiam, c'est-à-dire, partagez la vidéo, on va écouter ce frère, le frère, le combattant. Et tout à l'heure, on va mettre face au petit direct. Ça fait mal. Ça fait mal. Mais une seule personne ne peut pas lutter. Une seule personne ne peut pas sortir. Une seule personne ne peut pas, en tout cas, tout faire. Et il faut la Côte d'Ivoire. Et j'ai toujours dit, seule la révolution, seule, en tout cas, la révolution nous sauvera. Parce que personne ne viendra nous aider. Et je vais encore le répéter. On n'aura pas un Assimi Goïta. On n'aura pas un Tchani. On n'aura pas un Ibrahim Traoré. On n'aura seulement que le peuple de Côte d'Ivoire pour sauver la Côte d'Ivoire. Ça là, c'est ça qui est la vérité. Écoutons la vidéo et à tout à l'heure, on y va. Réalement des noms comme ça. Comme président ivoirien, ça fait chèque. Tidian Siak, c'est quoi ça là? Sacrilège. Yeah. Mais on lui pose la question à lui, à Tidian Siak, qu'est-ce qu'il pense du 43e Bima? Qu'est-ce qu'il pense du CFA? Il est là, il parle pas, il est prisonnier politique en Côte d'Ivoire. Les choses se passent, il est incapable de critiquer. Il est long de les faire là. Et puis il emmerde les gens. Mais nous, on est eux. Voilà. On est eux. Et on va le dénoncer avec la plus grande énergie. Hey, c'était un rendez-vous tout à l'heure. Regarde le boulot, on s'est parlé fri-fri. Aidez-nous à vous laisser. Voilà. Le PPACI là. Le responsable, il est là, le boss. Pascal Lobo, que je salue au passage avec respect. On a deux objectifs en 2024. L'implantation du parti à travers le monde. Il faut que les Ivoiriens, les Africains adhèrent au PPACI. C'est ça votre mission. Deuxièmement, le nom du président Babola doit figurer sur la liste électorale. Tout le reste, on s'en fout de ça. C'est ça le vrai point. Voilà. Et on va dire à notre partenaire, le PDCI, qu'ils arrêtent. Voilà. Ils nous envoient un dragon, Drama Ouattara, un démon, un diviseur, un tribaliste. On dit là, à la présence, il a chassé le Sénégalais qui était là-bas. Là. C'est sa propre nièce, la nièce de Draman qui est maintenant qu'il faut les conseils de ministre de Meg, là, c'est elle qui parle. Un clanique.
un homme avec le népotisme de ses parents. Vous voyez ça? Vous prenez pas vos trucs de merde pour aller marcher. Vous emmerdez les gens. Mais je suis à vous. Je suis à vous. Regardez la vidéo là. Ouais, c'est mon nom. Comment il s'appelle là? Diop Cissé Kouassi. Mon nom c'est Mathieu Blaisdel. Voilà, il m'appelle Mathéus. Mathéus. Voilà, c'est ça qui est ça. Pauline, on est ensemble. Voilà, il faut dénoncer les choses. On peut continuer dans ça. On peut quitter dans Mossi pour aller dans Sénégalais. Mais attends, vous prenez la Côte d'Ivoire pour qui même? La Côte d'Ivoire, il n'y a pas d'intellectuels. La Côte d'Ivoire, il n'y a pas de vrais Ivoiriens capables de diriger ce pays-là. Mais vous foutez de qui même, vous là? Vous foutez de qui? Mais il faut que le PDCI arrête ça. Et on doit le dénoncer avec la dernière énergie. Voilà, il y a des cadres au PDCI. Vous emmerdez. La Côte d'Ivoire, c'est pas un royaume. La Côte d'Ivoire n'appartient pas au Feu Boyi. Je suis désolé. Voilà, c'est ça qui est ça. Oh, il dit, ici à eux, Chris. Ici à eux. Non, mais lui, Isaac. C'est des corrompus déjà achetés. C'est la différence entre eux et nous. Nous, au PPACI, là, beaucoup, c'est des valeurs, des convictions. On n'est pas déjà acheté. Aimer son pays, dit qu'un Ivoirien, là, un vrai Ivoirien, Ivoirien yéré, Ivoirien instruit, Ivoirien intelligent, Ivoirien de paix, de mer, de terre, doit conduire la destinée de ce pays-là. Est-ce que c'est être mauvais? Est-ce que c'est être mauvais? C'est quel pays ça là? Ils sont venus s'enrichir en Côte d'Ivoire. Demain, c'est Libanais, ils vont nous présenter. Mais c'est quoi ça là? Mais il faut qu'on réveille un peu le patriotisme en vous, le nationalisme en vous. Ça c'est le vrai point. On parle de ça. Quotidien, chèque, tiam. Non, on s'en fout de ça. On s'en fout de ça. Voilà. On s'en fout de ça, hein? Voilà. Pour le moment là, on prend acte. Que dit l'allié PDCI par rapport au nom du président Gbagbo qui n'est pas sur la liste électorale? Parce que nous sommes des alliés. C'est ça qui est le vrai point. Vous emmerdez étudiant, tiam. Un gars qui ne connaît pas la Côte d'Ivoire, il ne connaît pas les Ivoiriens. Les Ivoiriens ne le connaissent pas. Et c'est toujours le PDCI. On est fatigué à ça. Voilà, on est fatigué à ça. Nous sommes dans un combat de dignité et de souveraineté. Aujourd'hui, là, au Niger, l'organisation de la francophonie, là, comment il s'appelle là? Le Abdelman Tiani vient de mettre Bia. Enlevez-nous ça ici. Tidia Tiam, il dit quoi? Sur les armées, sur le CFA. Tidia Tiam, il parle pas? Il est long de la file, là. On s'en fout de ça, hein? Ah, on s'est parlé fa-fa. On s'est parlé fa-fa. Et non, mais ça va loin. Non, mais ça, il va très loin. Parce qu'on l'écoutait. Et c'est nous, la base. C'est qu'on dit, là. Ça va loin. C'est ça qui est ça. Voilà. On va pas s'emmerder, hein. On va pas s'emmerder. Voilà. Eh, hey, salut, ma chérie. Elle s'appelle Akissi Jeanne. Je salue la belle Céline Boli. Je salue encore Pascal Lobo, Blaise Pascal Lobo, représentant de Gbagbo Laurent en France. C'est notre boss, représentant du PPACI. Blaise Pascal Lobo. Voilà, homme de valeur. Et c'est le terrain. Il répète ça. À tout va. Un politicien, c'est le terrain. Allez sur le terrain. Convaincre les Ivoiriens. Leur parler du projet politique du président Laurent Gbagbo. C'est de ça qu'il en parle. Venu bavader pour rien dire. Et voilà un gars pas quitté là. Qu'il s'appelle quoi là, mais de Dakouri quoi, Diaz de merde là. C'est un voleur juriste là. Tous des voleurs, c'est corrompu. Elle est son français bête là. Nous on s'en fout de ça. Voilà, nous on s'en fout de voir vos faux français là, on s'en fout de ça. Voilà. Big up au président Laurent Gbagbo. C'est ça qui est ça. C'est lui notre champion. C'est lui le Woody de maman, le Sepru Adama. Et lui on est bourreau de lui. Le chef incontesté et incontestable. Quand il a parlé la nuit, pim là, c'est fini. Voilà. Vous scandalisez les gens. Drama Ouattara est là. Tout pépère, tout peinard. Vous le voyez, vous le dépassez. Quand il s'agit d'un principe, Gbagbo Laurent, là, tu les vois coutou. Ça vient parler les faux français, les gros français. On s'en fout de ça. Dakouri Diaz de merde là.
T'es quoi? Qui t'endrait? Clôture là. Va voir Draba Ouattara, tu as lui parlé. Si vous êtes fort là, Draba Ouattara, il a parlé lui. Merdique. Voilà. Eh, ça m'attendait. Mon repas va refroidir. Et salut mon ami, il s'appelle Bozad Nyahiri. Salut la secrétaire de tous les jours, Virginie Kou. Et salut Marcel Lachaud, c'est mon boss. Voilà. Là, tu vois tes boss, les saluer la ville, on ne sait pas où on va. Moi, salut mon boss, hein. Le boss, Pascal Lobo, on est ensemble. Je crois que je vais vous saluer. Je vais vous saluer, il gagne quoi dedans. Quand il vous salue, il gagne quoi? Oh mon boss, il peut me faire avancer un peu. Et pas comme ces filles bêtes, sèches là, les athées, une psychopathe. Elle est si Facebook, tiens, sa bouche est partout, elle insulte tout le monde, pion. Son petit cul sec de merde là, ses petits pieds cassés là. Tu n'es pas belle, tu n'es rien du tout et tu aimes te faire voir. Tu es belle, tu n'es pas mariée. Hein? Tu as un sale cœur, un sale caractère. Dès que quelqu'un t'approche, tu dois prendre. Ouais, fais ceci, ouais, lui il m'a approché, il m'a fait ceci, il m'a fait cela. C'est toi qui sais tout, YouTube. Toi tu es qui? Tu n'es qu'une merde. Tu es qu'une merde à l'aise. Voilà ce que tu es. Tu es une merde. Et tu fais vomir. Aujourd'hui, c'est les Edith Deléa de merde là. C'est là qu'ils avaient écrit son nom là. Des conneries ou des conneries. On est vous. Peut-être la vidéo là. Bon, il n'est pas là. Il a mangé ça avant de partir. Pourquoi il n'est pas mangé? Il a mangé. Manger les froids, c'est ton problème. C'est toi qui as préparé. Comment manger les froids? Comment manger les froids? C'est ton problème? C'est ton problème? Maminat, on est ensemble. Je salue Pascal Lobo. Je salue Pascal Lobo. T'es mon boss? Il a dit, ouais, mais pourquoi tu le salues? Tu l'as déjà salué, pourquoi tu le salues? C'est ton problème? C'est ta bouche, je prends pour le saluer. C'est ta bouche là, je prends pour le saluer. Ma connexion que j'ai payé et puis salue mon boss là, c'est ton problème? Hein? C'est ton problème? Je le salue. Ah, c'est exposé elle-même. C'est pas la vieille mère Marie Odette, Marie Soé. Hein? Elle, la dame ne la connaît pas. Hein? La dame ne la connaît pas. La dame ne la connaît même pas. Voilà. Elle ne la connaît même pas. Voilà. Elle est dans ces délits là de salir les gens. De salir les gens, salir les gens. C'est pas ce qu'elle gagne dedans en salissant les gens. C'est pas c'est quoi son plaisir à salir les gens. Comme si elle était propre. Comme si elle était propre. Une sale fille, sale d'esprit. Un peu maudite comme ça. Et voilà. Tout le monde t'a fui. Tu es ton sale caractère là. Bon, et toi? Merci Facebook. Non, là, on n'a pas commencé quelque chose et puis on n'a pas. Et on commence à te déchirer jusqu'à la fin là. Nous, on gagne toujours. Parce que Babou, elle a toujours gagné. Elle a toujours raison. Toujours. Ça commence, les gens doutent. Ah ouais, mais je salue Maminat. Ah mais oui, mais Babou, mais toujours. Babou gagne. Toujours, il gagne. Tu as fait les Babou, tu es tranquille. Tu as sauté jusqu'à la fin là. Tu as demandé pardon, président Babou. Eux tous. Ils ont fait une vidéo. Je demande pardon, président Babou. Je dis, hey, on s'en fout de vos pardons. Allez vous faire foutre. Voilà. Assumez-vous un jour. Assumez vos propos. Allez jusqu'au bout. Toujours, c'est vous qui vous trompez. Je demande pardon, S'en fout de vous. Lili Bayou, on est ensemble. Eh, hey, Odroko. Ah, c'est quel nom ça là? Bon. Comme mon cousin est là, l'Alexo. Lui, c'est un métis. Lui, Choco. Odroko. Monsieur Odroko. Odroko, ton nom est trop joli, Odroko. Monsieur Odroko. Un bété. Un bété doit s'appeler Digbe. Eh, Odroko, ça, c'est quel nom ça là? Moi, j'aime, c'est un béninois. Ils sont pleins comme ça. Je les vois, ils sont parmi nous, ils disent qu'ils sont bêtés. Toi, tu es bêté.
Merci ma chérie Lydie. Merci. Voilà. Gisèle, où est ensemble? On est fatigué. Tu tournes ta tête étranger, tu tournes ici étranger, tu tournes ta tête ici Burkinabé, tu tournes ici Sénégalais. Il y a quoi? Vos parents là n'ont pas de pays. Vos papas ne viennent pas de quelque part. Mossi Drama ne vient pas de Saint-Doux. Vous emmerdez les Ivoiriens. Les Ivoiriens ne peuvent pas respirer. C'est quelle politique qu'on ne peut pas faire entre nous Ivoiriens là? Entre nous Ivoiriens, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de palabre. On ne va pas se tuer, on ne va pas prendre les armes. Vous emmerdez les gens. Voilà. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas un royaume. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas pour les Baoulés. La Côte d'Ivoire, c'est pour tous les Ivoiriens. Donc, Fouet n'a pas légué derrière, elle a créé assez de problèmes. On refuse. Et on va se battre. C'est ça qui est le vrai point. Voilà. Nous, on ne prend pas les armes. On vous dit les choses là, fa. Cash money, ça faut fuir. C'est quoi ça là? Il y a quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Merde à la fin. C'est quoi PDCI là? Hein? Merci Mira. Oh. Regardez la vidéo là. Et salue la voisine. Nyandu Djekpa, c'est ma voisine. Territoire mal occupé, on est ensemble. Je suis Anjaï. Voilà. Ange Patrick Lobo, soyez salué. Celui qui n'a pas joli nom ici, là, il ne prononce pas. C'est Nyekibo. Ça, c'est quel nom, ça, là? Hein? C'est Nyekibo. Nyekibo. Ivoirien, ça ne s'appelle pas Nyekibo. T'as chez lui, c'est un centrafricain qui parle là-bas. Demain aussi, il va venir, il va dire qu'il va être président. Hmm? Ivoirien s'appelle Digbe. Vous Yabi, vous les latiers, les labels là. Hein? Brigitte épouse Doré Zoro. J'espère que ton épouse Zoro là, c'est pas Zoro Bi que je connais là. Hein? Le gros Zoro Bi que je connais là, si c'est lui là. Il dit, il a fait à quelqu'un son site, toi tout de suite là. Mais lui là, Zoro Bi Epiphane. Lui-même il sait. Le jour, son nom Draman là-bas qui est au pouvoir là. Lui là, il va le suivre. Mais c'est lui qui allait voler 40 au tribunal là, dimanche, pour aller donner ça à Draman Ouattara. Non, on est au courant de ça. On lui dit ça. On lui rappelle son vrai nom. Lui là, le Draman va partir là. Zorobi, il a Epiphane, il n'a qu'à partir à Draman. Le jour Draman Ouattara va partir là, Kakabe n'a qu'à partir à Draman Ouattara. Kakabe, il n'a qu'à partir à Draman Ouattara. Vous emmerdez là. Voilà. C'est quoi Coucou Ezo là? Coucou Ezo, c'est où ça? Lydie Bayez, elle connaît Coucou Ezo. Coucou Ezo, c'est quoi? C'est quel ma Coucou Ezo? On dit que tu es tchadien, tu dis que je viens de Coucou Ezo. Coucou Ezo là, c'est où? Yekibo, Coucou Ezo là, c'est où ça? Viens nous parler de ça? Félix Bazo, on est ensemble. Voilà. Demande-moi, maman, s'il te plaît. Est-ce que j'ai oublié de manger? C'est la fête, il y a à manger partout. Et moi, je peux essayer de faire mon travail. Est-ce que j'ai oublié de manger? Je peux faire gamelle, hein, ça? Il faut manger, manger là-bas, de nous fort. On parle d'un problème de la Côte d'Ivoire. Un problème qui nous touche. Notre pays est envahi. Hein? On est en train de se battre. Ah, d'accord, je suis d'accord avec ça. On est en train de se battre. Philippe Oui, mon ami, depuis l'Estée. On est en train de se battre. Pour pouvoir s'en sortir. Un peu, sans envoyer encore. La guerre. On a en train de finir un peu, peu aussi. Vous vous envoyez Sénégalais. On va s'en sortir. Et on doit se taire. Mais on ne peut pas se taire. On ne peut pas se taire. Pourquoi on se taire? Oh. Alors, Afrique de liberté, chers amis, chers frères et soeurs, chers panafricains, nos chers peuples de Côte d'Ivoire. C'était l'intervention de votre serviteur, l'amiral Gbafé. C'était vraiment un plaisir pour moi d'être en votre compagnie en cette soirée de mercredi 27 décembre 2023. Partagez massivement cette vidéo, invitez vos amis, taguez vos amis, abonnez-vous massivement. N'oubliez pas en tout cas d'activer comme ça la cloche de notification pour ne rien rater quand vous vous abonnez. Alors que Dieu vous bénisse, qu'Allah vous garde, portez-vous bien. Vive la révolution, vive le panafricanisme, abat la France-Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, réveillons-nous pour sauver ce qui reste de la Côte d'Ivoire avant qu'il ne soit trop tard, c'est très important. On est ensemble
et on sera toujours ensemble pour d'autres directs. Je sortirai toujours tant que j'aurai cette force pour dénoncer avec la dernière énergie de satrape reptilien venu de Saint-Doux pour troubler le sommet des Ivoiriens. Il faut que ça change. Et ça commence par toi, ça commence par moi, ça commence par nous tous, sauvons notre pays, la Côte d'Ivoire.